Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzo kuwapenzi, wananchi wote, na wasalimia nyinyi wote. Bana bitu basubwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, Tokutani, les sous-sous, les lots, Nakanisi, Tozali Koyokana, est-ce que Zali Koleka? Voilà, chers compatriotes. Oui, je pense que Zali Koleka, Tokutani, les sous-sous. Voilà, les lots, Tokolobela, Likamboya, Henri Magie. Henri Magie, c'est vraiment l'illustration du dicton vanité de vanité, tout est vanité. Pas seulement ça, hein. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Ou encore, tout celui qui sème récolte. Parce que quand vous sèmez, c'est pour récolter. Eh bien, il a sémé la haine, la zizanie, les outrages envers le président de la République. Eh bien, il a récolté. Hein. Il a récolté, il paraît qu'il a récolté des deux côtés. Il aurait été frappé sérieusement. Babette qui est dans le dernier Rosakanate. N'a pas perdu. Bengana qui écoute. La permanence, il paraît qu'il y a la qui n'a l'Ipanda. Vous voyez? C'est que la haine attire. Peut-être qu'il les a trahis. Il paraît qu'il y a Banda qui collait là. Azosenga aide y a peuple, mais quel peuple? Ce peuple qui est majoritairement pour l'alternance et pour Fatshi, Fatshi qui est congolais, bah, Fatshi n'est pas son président parce que son président c'est Raïs. Vous allez voir ça dans une vidéo hein, où il fait les éloges à son Raïs. Il y a des Congolais qui rêvent jusqu'à présent, qui pensent que ces Tutsis de Rwandais, de président Kabila, qu'il est toujours président de la République. Bon, j'ai dit président, mais président du PPRD, leur PPRD, ou le FCC. C'est terminé. Il n'y a pas de rêve possible. Joseph Kabila n'est ni Raïs, ni président du Congo, qui ne croit pas qu'il règne comme un ayatollah au-dessus d'un président. Mais non, chers compatriotes, c'est honteux. Et il ne faut pas seulement l'arrêter, mais il faut le châtier. Parce que trop, c'est trop. Dans le régime de Kabila, le régime passé, il y en a qui ont fait la prison seulement pour outrage au président de la République. Eh bien, c'est une jurisprudence. Il va faire la prison. M même si ce n'était pas une jurisprudence. C'est prévu. C'est prévu dans les lois du pays. C'est prévu par la Constitution. On ne peut pas outrager le président de la République. Voilà. Nous allons nous rafraîchir la mémoire avec une vidéo après avoir lu
un article publié par Politico.cd sur l'arrestation de Henri Maggi Loufeté. Voilà le fameux Henri Maggi, vice-président de la jeunesse du parti de Kabila, arrêté et détenu à l'inspection de police de Kinshasa, IPKIN. Chers compatriotes, il faut savoir que vanité de vanité, tout est vanité. Cet homme s'est cru tout permis pour outrager le président de la République. Il a raconté des insanités envers le président de la République. Donc, a fingayé nandenga osakanate, Moutoya PPRD, Henri Maggi, les lotes yogi ke bakangiye, avant bakangaye, ba bitaki nandenga osakanate, et pas baninga na ya PPRD. Et puis, pour la baron et batalaka, ba image na yete, donc, na prévoir vidéo. Vidéo, il a sorti médiatique na yena tangwana. En béret rouge, hein? Tout habillé en rouge. Pour ba bangi sa, régime yasika ya Fatshi. A bandai koloba ke Fatshi a sa présidente. Dandenge na ye. Que Félix Tshisekedi a sa moutoumo konome. Et voilà, là, il est aux arrêts. Il risque de faire la prison. Et voilà, c'est tombé comme une foudre, on n'y croyait pas. Que quelqu'un du PPRD soit arrêté de cette façon-là. C'est un avertissement à d'autres du PPRD qui se croient tout permis. Pour insulter l'alternance. Pour nous, le président, c'est Félix Tshisekedi, un point barre. Voilà, chers compatriotes. Voilà, nous allons lire. Nous commençons par des informations sur le coronavirus, le Covid-19 en RDC. Nous en sommes à 1370 personnes infectées. Ne prenez pas ça à la légère, chers compatriotes, même si dans les 1370, les 1200 et quelques concernent la ville de Kinshasa, plus particulièrement les communes de la Gombe, Galiema, et voilà. Et une cinquantaine d'infectés dans le Bas-Congo. Hein. Oui, c'est proche de Kinshasa. Mais néanmoins, 1080 personnes sont en soins. On espère qu'ils vont guérir en majorité parce que, voilà. Sur 1080 personnes qui sont en soins, il y a eu 61 décès. Mais 229 guéris, ce n'est pas fameux. Nous espérons qu'avec l'arrivée du jeune médecin, avec sa découverte de l'Artemisia et sa formule, ses dosages, ses mélanges, que ça va donner lieu à plus de guérison, bien sûr. Bon, to tanga bakanga kiye ndenge nini. Henri Maggi Waloufeté, vice-président de la Ligue des jeunes du parti de Joseph Kabila, en charge de la communication, a été arrêté ce samedi à Kinshasa, aujourd'hui même. Il est détenu par la police de la capitale congolaise. Henri Maggi sortait d'un supermarché au centre-ville avant de voir plusieurs véhicules de militaires surgir et l'appréhender, affirme un élu du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD.
Mais je me demande, est-ce que procédure Wana est anormale? Est-ce que Batindela qui est convocation à Boikoya? Je ne sais pas. Donc on verra bien si on a violé ses droits. Fallait-il l'arrêter de cette façon-là? Il faut une convocation, après la personne se présente. Très bien. Avant l'incident, il a reçu un appel d'un conseiller du président Félix Tshisekedi, le menaçant de le faire arrêter. Poursuit, c'était lui qui a requis l'anonymat. Alors, il s'appelle comment? Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD, affirme avoir été mis au courant de l'arrestation de Henri Maggi Loufeté. Je suis en train de me rendre sur place, dit-il à politico.cd. Henri Maggi est détenu présentement à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa, IPKIN. Inspection provinciale de la police de Kinshasa. Ok, mais en abrégé, ils mettent un seul P. Bon, ça va. Des sources policières affirment qu'il serait accusé d'outrage au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il n'a pas encore été interrogé depuis son arrestation peu après-midi. Bon, outrage est la Kissi Kofinga, président de la République. Donc, Bapunisa Kayango, hein. Voilà, Tokola Kisabino Ndenge Abandaki Koloba contre le président de la République dans une vidéo. Militant très farouche du parti de l'ancien président Joseph Kabila, Henri Maggi a souvent fait des sorties médiatiques sulfureuses contre l'actuel président Félix Tshisekedi. Voilà, chers compatriotes. Yoana, Denge Bibilia Elobaka, vanité de vanité, tout est vanité. Malonso a dit pas tout. Makambounso est à Pamba. Ozali komi la kisakengaingai, or, Ozamutu Pamba. 20, 20. 20 et la kisi est le côté. En vain, vanité sa qualité n'ango. N'était pas vantard. Bah, vantard. Azali komi la kisame, azali le côté. Muntu tchanana. Voilà, chers compatriotes. Nous passons à la vidéo et vous allez comprendre pourquoi il a été arrêté. Voilà, chers compatriotes, pour comprendre qui était Henri Maggi, écoutez ces sorties médiatiques. Boyo Kandenge Abanda Kofinga, président de la République. À partir, il y a fils Moukoko. Mingi Mingi! Raïs! Mingi Mingi! Raïs! Camarades. Camarade Kandela na biso po ndenge na yebisi bino petit wana ndenge akofingaka mokonzi na biso rais tosepelite ata moke naobetela bino lisolo koboyeba yango mikolo eleki awa bomonaki ngai nakendaki kosoutenir badepute moko ya lamuka baevalidaki bango ba Daniel Safu Ma Raphaël qui boucle à ma mission. C'est mon ami. Oui. La partie dans Naï, PPRD, et ça là qui moi, Milinga Milinga. Baloba qui yo, na sali ma bé. Mais l'élo na yon, ça vino po na nini na kenda ki kuna. Loba. Na yon, ça vino po na kenda ki kuna. Loba. Pendant teke. Na kenda ki po na ko kre, on a droit, ma bé, na ka jurisprudence. Batou o yo cour a déclaré, ba mo perdant. Tu as une preuve matérielle où ils ont prouvé que Bagagnaki court à rectifier l'ordonnance.
cour constitutionnelle sera bimisi arrêt à la définitive. Vous voyez bien votre. Oui. Mais en la loi morel loba soki erreur matérielle morel glissaki cour azana droit pour revenir na arrêt na yé. Vous comprendre? Oui. Si la kenai ko soutenir ba Daniel Safoué a yipo na ouvrir la boîte au Pandore. À erreur matérielle. Cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle. À réhabiliter dans votre réalité, dans votre réalité. À réhabiliter dans votre réhabilité, dans votre réalité. Donc, Moukoko Keba, petit Keba, seront continués. Où est-ce que le premier avertissement? Seront continués. Au commun, on n'a pas de Daniel Safou. On a député Moussou sur la Mouka. Au commun, on n'a pas de Fayoulou. N'a pas de Donc, quand tu sais, erreur matérielle. Cour a jugé ce qui yo, Chadari, n'a failli n'a gagné qui? Élection. Ce qui n'a gagné qui? Élection. Erreur matérielle. Naza n'a pas preuve. Na raïs touche pas. Na rana méchant. Po kopo yo, to zoa ki angon na makila. Na mbenga blagite. Tant to pesi bilan on a pété. Toza ba yumate. Toza ba momi na binote. Na niveau mayele pe bo komi na mayele na bisote. To l'équipe no pe na mayele. Eh muso bo kanise to senga bino charité, za charité te. Eza charité te. Eza ba corps o bo signaki, to signaki. Na mikoleza ko yawa na ko bimisa corps wana. Accord FCC cash. Bozela bomona na kubimisa mweza ndenga na te. Bomona makamunini e komama ki na kati. Respect des accords. Le roi bo mesana na bino ko respecter ba accord te. Bokanisa ki ke biso toyebi te, toyebi. Toyebi, to c'est trop. D'ailleurs, coalition appelle na nyango souté. Muko koza na raison et le pai moko coalition yo to nyango pe souté. Bo bébé si déjà. Na moto que nakaka na cohabitation to sala gouvernement na FCC bino pe garder présidence na bino to to bengani bino kaka fallu la zikop na ye to sala gouvernement na FCC ko ta na majorité na ba assemblée nyos rien ne monate ma solo na ba ebisa batu ke dans un an gouvernement ko bimate ti dans un an ba dissoudre assemblée nationale dissoudre sans amoubali si vous êtes garçon là dissoudre. Mais bon, la constitution, on a, si vous avez bien tête, vous avez bien tête. A Kalibosa, nous avons une manifestation, il y a une photo de ça lundi 22. Il y a combien de 22 lundi 22. Lundi 22, Bissonion, donc au marché Kobanda, échangeur alimenté, Tina Palais du peuple. Pourquoi nous avons des alliés? Pétion à Moukoko, na babouan ba oué wana eba wa tsa la mouboulou pour élection et bureau à Séné Salama. Hé! Moukoufi. Moukoufi. Moukoufa. Vous tiendez candidat na bino, total à Soki, boza la majorité. Candidat na biso a ko gagné élection na Séné. Le 22, biso nyo so wapi? Palais du peuple! Le 22, biso nyo so wapi? Palais du peuple! Autorisation si to zoaki. Yango, banda les 12. Banda les 12 de citoyens autorisation. Yo yaka, oyako, déranger l'élection. Ma moto est tika à 10. Tose la bino. Ma cousa de moto. Toko satisfaire bino. Le rôle à bino, le gimo qui m'a maka, si toko satisfaire bino. Le rôle à vocalisi. Baka mwana sampo ba bo mane para bino ba leki biso na koyeba ba geste wana to relaxer to satisfaire bino to zera bino lundi mais après lundi biso nyoso manifestation a munene to ko réclamer ni ni respect la constitution a pas respect constitution to réclamer sous vérité de Dîner. La vérité de Dîner. To rezonga la preuve matérielle en cour constitutionnelle to zana ma bo pour la raïs. Raïs! Mingi Mingi! Raïs! 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 Raïs!
les lois abiso bakabiliste. Na bengi si bakabiliste nyoso. Na ya FCC, na bazaka na FCC te, na basala ka politique te. Biso nyoso na mikoleza koya na robenga bino to kosala marche munene pour na kosenga rupture entre biso na cash. Nemo na te. Boye. FCC na cash libala bou. Pia. Abou. Pia. To linga mo soute. Biso na bino orage. Na biso na to koya. On va pas la kiozo ka mo sindumba. Pour la consigne, ça, la lobby n'a aussi son petit frère Keba. Voilà, faut faire comme il s'est dit. Raïs a mouni à la haute. Après mouni à l'autre, elle a été. Botika reste la calme. Bissot va gardien de la révolution, c'est aussi Niki. Soki. To sali mobilisation générale na ebisibino et kozala bien te pour na Congo. Pour na gouvernement boza ko bloqué. Ido boza na ngwana ya gouvernement d'union nationale eza. FCC toza na majorité na biso nous allons nous assumer. Il y a un gouvernement qui a été créé pour que le gouvernement soit un bon gouvernement. Il y a un gouvernement qui a été créé. Mais il y a un député qui a été créé par la FCC. Il y a un gouvernement qui a été créé par l'État. Il y a des grèves à grèves au Salama. Il y a une motion ou une motion. Il y a une motion. Pour Bissot, bah garder de la révolution, tosi tosi niki. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Coalition FCC cache ça la nini. Rando Bissot la nini. Orange. Orange. Bon, les Camerounais balayent à Pokoyo et Zali. Les Camerounais passeport la société Semlex. Oyo ya mafiateur belge ceux qui d'origine nini. Azana combo soki combo d'origine arabe comme ça toujours avec ces gens là donc to singi la présidente de la république babo ya ko reconduire contre wana karaté mais balande la likambwana ti et panies. Il y a Kabila ou Zalaki, ou Azana Kontsoki na Dubaï. Pour les Mbongo, il y a pas Congolais. Combien de millions pendant 5 ans? Pour la cause d'un passeport congolais, il faut débourser. Pour la Bango 185. Pour la peuple 250, ceux qui ont Ninko Zoyango, Noki Noki, 300 dollars. Bisokuto a te tindaka ce qui 300 dollars et 300 euros en euros. Chers compatriotes, il ne faut pas seulement qu'on se contente de la non-reconduction de ce contrat-là. Mais il faut les poursuivre parce qu'ici en Belgique, on les poursuit déjà. Il y en a qui, des Congolais qui se sont constitués partie civile. Avec d'autres ONG pour poursuivre cette compagnie-là. Pourtant, il y avait une autre compagnie ici en Belgique, une compagnie belge, la compagnie ZS. Z-E-T-E-S. La compagnie ZS, qui fabrique des passeports pour les Belges et des cartes d'identité. Cette compagnie-là pouvait le faire à moindre coût. Peut-être à 45 dollars. Le passeport ou à 50 dollars. Et nous, on pouvait l'avoir peut-être à 60 parce que ça pouvait être le gouvernement qui s'en occupe. Le gouvernement ne peut pas rançonner son propre peuple. Nous sommes déjà appauvris, mis à genoux par Joseph Kabila et toute sa famille. Ils nous rançonnent encore avec des taxes, avec des passeports aux prix exorbitants, avec une douane la plus chère du monde. Seigneur mon Dieu, ça doit terminer avec la Kabylie. C'est terminé la Kabylie. On doit le paralyser.
et dans tout. Il essaie d'être partout, tout ça, avec une majorité à la con, comme certains disent, au Parlement, une majorité fabriquée. Il domine le Parlement, le Sénat, les provinces. Mais tout ça, c'est sur papier. C'est nous, le peuple souverain. Article 5, le peuple est souverain. C'est nous la vraie majorité populaire. Nous l'avons démontré, hein. Nous l'avons démontré avec les motocyclistes, les Wewa, qui sont partis menacer au Parlement, hein, qui ont pris en otage le journaliste Israël Mutombo de Barcelona Politique. Hein. Et le résultat, c'était quoi? Ibrahim Kabila, le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, a été libéré. C'est un avertissement. Ça, c'est seulement un avant-goût, hein. Qu'il continue à déranger l'alternance et la gouvernance de Fatshi. Ils vont voir, hein. Le peuple est là, aux aguets, hein. Voilà, chers compatriotes. RDC, pas de reconduction du contrat controversé avec la société belge Semlex. C'était annoncé par la présidence de la République, notamment par le compatriote Kasongo Mwema, Yamba Yamba. Voilà, nous allons lire la suite. Ah, voilà, ça c'est la prise des biométries pour la confection du passeport, le fameux passeport. Vous savez que pendant 5 ans, ou même avant, nous avons été rançonnés par la famille Kabila avec un passeport, le passeport le plus cher du monde entier. Bien, ça donne la colère, hein. Il faut non seulement résilier le contrat, mais le contrat va se résilier tout seul parce que il arrive à sa fin le 11 juin, je pense. Il faudra poursuivre la nièce de Kabila jusqu'à Dubaï pour récupérer les fonds. Il faut pas seulement arrêter, il faut aussi récupérer les fonds parce que c'est notre argent, des contribuables, des Congolais. La République démocratique du Congo, RDC, ne renouvellera pas le contrat controversé conclu en 2015 avec la société belge Semlex pour la fourniture de chair passeport biométrique, a annoncé vendredi le porte-parole du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le contrat de Semlex pour les passeports congolais ne sera pas reconduit en juin prochain, a affirmé le porte-parole Henri Kasongo Mwema Yamba Yamba sur Twitter. La position de la RDC a déjà été clairement affirmée par Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères, Marie Ntumba Nzeza, a-t-il ajouté. Des organisations anticorruption et 51 citoyens congolais ont dénoncé mercredi le contrat passé entre Kinshasa et la société belge qui fabrique les passeports biométriques congolais, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles. Déjà, ces ONG et les victimes congolaises se sont constituées partie civile dans cette enquête pénale ouverte avec Semlex. Cette entreprise ucloise, oui, de Ucl, avait négocié un contrat pour la fabrication de passeports biométriques avec le régime de l'ex-président Joseph Kabila dans les années 2014-2015. Ces passeports sont facturés à 185 dollars aux ressortissants congolais, dont seuls, selon une enquête de l'agence de presse britannique Reuters, 65 dollars seulement reviennent au gouvernement congolais. Ce contrat de 5 ans arrive à échéance le 11 juin prochain. Chers compatriotes, ça c'est un scandale, hein? Un scandale vraiment.
Nous avons une imprimerie, nous avons l'hôtel démoné. Nous pouvons imprimer ces passeports sur place. Nous avons les machines nécessaires. Pourquoi avoir conclu ce contrat avec la société mafieuse Semlex? Tout simplement pour enrichir la famille Kabila. Eh bien, il est temps de les poursuivre en justice. Il faut auditer ce service-là de passeport et savoir où l'argent partait. Nous savons déjà que l'argent partait dans les poches sur un compte privé d'une nièce de Joseph Kabila dont le compte se trouverait à Dubaï. Eh bien, il y a la police internationale, il y a des tribunaux internationaux, ils savent comment ils peuvent faire. Donc, nos politiques congolais, ils peuvent arriver jusque là. Voilà. Il faut qu'on récupère les fonds. Quand on arrête des corrompus, il ne faut pas seulement les condamner à 5 ans, 10 ans, 20 ans de prison, ça ne suffit pas. Il faut aussi récupérer l'argent, y compris les biens qu'ils ont achetés pour leurs membres de famille. Voilà, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikalambote, Betutamalana, Mbasi. Voilà, tu vas suivre. Chalai bip, ni tout mon an. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.